croyant. Il avait beaucoup d'imagination. Peut-être qu'il voyait le monde comme ça. Peut-être qu'il voyait son monde, son époque comme ça. C'est la vie. C'est la vie. Je suis Déborah, je suis déguisée en lézard. Et si j'ai fait mon personnage, c'est parce que c'est pour découvrir comment marcher avec tout ça. Je m'appelle Amandine, je joue le rôle du psychopathe. J'ai pris ce costume pour découvrir le rôle. Je m'appelle Clara, j'ai fait l'arbre à rat. Je fais ce costume car il a l'air d'être rigolo, il me plaît. Je m'appelle Zino, je suis déguisée en tambourine man. J'ai choisi ce déguisement car j'aime bien le déguisement. Je suis François, je joue le rôle du cannibale. J'ai choisi ce personnage parce que je le trouvais assez stylé, marrant, et puis on voit la vie en bleu dedans. Et ton chapeau sur la tête? Parce qu'à l'époque, il mettait souvent ça. Pourquoi? Parce qu'ils étaient fous. J'aurais ça sur la tête, donc mes yeux ils seront là, ils sont ici, et en fait j'aurais ça sur moi. Avec le sac. Et qu'est-ce que ça représente, ce que tu as en dessous de toi? Ça représente en fait, comme on dirait un alien qui est en train de manger un morceau d'humain ou tout dans le genre. Qu'on fasse des personnages où on n'est pas trop ennuyé par des histoires de proportions. Déjà, il faut que les costumes soient mettables par des personnes plus ou moins grandes. Donc on travaille avec des petits, des ados, des jeunes adultes. Donc il y a quand même des costumes qui sont plutôt prêts pour des gros gabarits, voire des gens un peu plus costauds, parce que le costume est imposant par rapport à la taille du personnage. Par contre, ici, il s'agit de costumes qui pourront être portables par des gens de n'importe quelle taille. Après, c'est une histoire de comment on va mettre la toge pour qu'elle descende plus ou moins bas. Et ce seront des masques. Alors, les personnages qui ont des masques vont être assez effrayants, mais par contre, ils seront assez faciles à porter, ces costumes-là. Ce n'est pas tout un travail. Mais pour être expressif, il va falloir qu'ils prennent des attitudes, qu'ils apprennent à manipuler leur costume pour se présenter devant les gens. Quel sentiment il va falloir qu'ils imposent pour être impressionnants. Et il y en a, par exemple, on a l'impression que porter un costume normal sera plus facile, mais finalement, on se sent peut-être un petit peu plus ridicule quand on n'a pas l'habitude que quand on a un gros costume imposant, où on est à 100% occupé, rien qu'à le promener droit correctement. Donc, je pense que tout type d'enfant peut se retrouver derrière un costume comme ça, à l'aise, parce que des fois, ils ne veulent pas qu'on voit leur tête. Parfait, ils ont un masque. Parfois, ils veulent bien porter et donc ils seront contents. Il y en a qui sont costauds et d'autres qui pourront passer d'un costume à l'autre. Après, c'est toujours pareil. Il y a des enfants où on a l'impression qu'on leur a fabriqué le costume pour eux parce qu'ils sont tellement expressifs avec que ça va être difficile de le mettre à quelqu'un d'autre. Mais ça, on ne choisit pas. C'est les enfants qui se les approprient et nous, on va essayer de les faire de façon à ce que ça fasse une grande famille qui vont bien avec les costumes qu'on a déjà fabriqués sur le même thème. Ça remonte en fait à la non-participation des habitants du quartier du lac à la fête médiévale. Ils étaient plutôt des consommateurs. On a décidé de créer ce projet aussi pour la jeunesse, parce qu'effectivement, il nous paraissait important
que les jeunes du quartier du Lac se réapproprient l'histoire de Sedan et plus particulièrement le château. Et donc, on a créé ce projet qui nous paraissait important pour rendre les jeunes plutôt acteurs que consommateurs. Et c'est comme ça que nous est venue l'idée de faire une troupe déambulatoire. Au départ, on voulait créer des costumes qui soient médiévales, qui pourraient s'accorder aux gargouilles, parce qu'au départ, il y avait les gargouilles qui existaient, et on cherchait quelque chose qui pourrait accompagner les gargouilles, mais tout en étant quand même original. Et donc, des costumes, des beaux chevaliers, puis des belles princesses, ben, il y en a déjà beaucoup au festival médiéval, puis nous, on en a déjà fait pas mal, et on avait envie d'autre chose. Et donc, on a regardé les tableaux de Jérôme Bosch, qui sont quand même assez fascinants pour une époque médiévale. Et on s'est dit qu'on allait utiliser les personnages de ces tableaux pour créer la nouvelle troupe. Alors la première, comme disait Edouard, elle est assez édulcorée. C'était dans l'idée de contrebalancer un petit peu le côté assez sinistre et épouvantable ou intimidant des gargouilles, pour leur adjoindre des personnages qui avaient l'air plus sympathiques. Et là, je pense que cette nouvelle troupe qui va sortir cette année, elle va faire une espèce de lien entre les deux, parce qu'elle sera encore très colorée et assez visuellement riche en couleurs, en matière, mais elle va avoir un petit côté plus effrayant qui se rapprochera des gargouilles, et tout en restant médiéval. Et puis, Bosch, on aime particulièrement parce que c'était un peintre qui sortait du lot déjà à l'époque. C'est un univers en soi, un univers fantasmagorique. Je pense que personne ne peut dire « j'aime pas Bosch » ou « j'adore Bosch », c'est trop spécial. C'est juste que ça existe. Les gens sont surpris, après les gargouilles, notamment dans le cadre du Festival médiéval de Sedan, de voir qu'on a sorti des espèces de clowns, on dirait des mascottes. Et il y a des gens qui ne connaissent pas du tout Jérôme Bosch. Hein. Et quand ils voient ça, ils se disent « mais ça n'a plus rien à voir avec le médiéval, là, on va chez Disney, ou c'est quoi ?» Et en fait, les gens n'imaginent pas du tout qu'à la fin du Moyen-Âge, à l'époque où on peignait encore des icônes à la feuille d'or représentant des nobles et des saints, on puisse aussi imaginer cette débauche de... on pourrait dire d'horreur, parce que dans l'enfer, c'est pas terrible, dans le Jardin des Délices, c'est beaucoup plus rigolo, mais parler d'édulcoré, c'est pas édulcoré, ces tableaux ne sont pas édulcorés. Jérôme Bosch, grand observateur de son époque, nous livre un enseignement moral faisant appel à la conscience individuelle. Il a l'état d'esprit des frères de la vie commune, venus en 1424 à Bois-le-Duc, l'une des plus grandes villes de Hollande, Hertogenbosch en flamand, dont il prendra le nom. Aussi dénonce-t-il les conséquences fâcheuses des plaisirs et leur caractère éphémère, et aspire à une religion plus détachée face à la corruption du clergé sans le secours de l'Église officielle. On l'appelle le peintre de l'enfer, le faiseur de diables dans cette seconde moitié du XVe siècle, où règne une atmosphère d'hérésie, de mysticisme et de fin du monde annoncée. Comme les autres, c'est de l'imagination. Les créatures n'ont pas leur propre nom. Que les créatures n'ont pas forcément le nom qu'on leur avait donné avant. Moi, j'ai appris plein de trucs, hein, plein de mots. Vas-y. Comment s'appelle le cadre à trois places, le triptyque. Le triptyque. Le triptyque. Ah oui, les tableaux, les ekeomo. Ekeomo, bien. Bravo. Super. J'ai retenu que le nom de mon tableau. Le jugement dernier avec Tambourine Magnussi. À gauche, l'enfer, à droite, le paradis. Et ben voilà. Donc, qui va en enfer, qui va au paradis? Les vivants. Oui, mais quels vivants? Comment on les distingue? Est-ce que toi, par exemple, tu iras en enfer ou au paradis si tu y crois? Ah, c'est au niveau de. Si tu crois au paradis, c'est quoi, tu vas en enfer? C'est au niveau de leur péché. Ces dessins, c'est
Ça parle de... Attendez, j'ai oublié. Vas-y, vas-y. Des religions. Ouais. Ça parle des religions plutôt de chrétiennes et musulmanes. Et il montre des gens en enfer et des gens au paradis. Il y a à droite le paradis, à gauche l'enfer. Et au milieu, c'est la terre. Des fois, l'auteur qui se dessinait dans ce tableau. Ouais. Et tu peux me donner un exemple ? Dans le tableau, il y avait les arbres. Les arbres ? Oui. Il était en train de pleurer. Ouais. Il était en train de pleurer, effectivement. À ton avis, pourquoi pleure-t-il ? Parce qu'il est triste. Parce qu'il est triste. Il est triste de quoi ? De ce monde. Oui ? De ce monde. Il est triste du monde, oui, qu'il est en train de découvrir. Ici, on voit des reproductions, donc on est allé directement photocopier sur les tableaux de Bosch. Et avec ces personnages-là, on les a redessinés de façon à ce qu'ils correspondent vraiment le plus aux personnages d'origine, tout en étant confortables et portables par un humain, voire par un enfant. Ici, c'est les deux dessins, donc... Pour faire les costumes, on a recours à différents types de matériaux qui vont du matériau rigide pour faire tout ce qui serait coque pour supporter les costumes, aux matériaux plus mous pour en allant jusqu'au tissu. Donc ça sera Estelle, je pense, qui est plus à même à raconter tout ça. Alors concernant les matériaux mous, on a ce qu'on appelle... D'ailleurs, ça c'est un test qu'on avait fait pour les anciens costumes. C'est ce qu'on appelle du plastazote en fait. Donc c'est une sorte de mousse comme on peut trouver sur les matelas de yoga. Voilà. Et qu'on utilise, qu'on redécoupe, qu'on recolle avec une colle bien spécifique que certains enfants du lac doivent connaître parce qu'on leur a appris d'ailleurs à utiliser, donc c'est la néoprène. Et ça nous permet de faire des formes, de sculpter tout ce qu'on veut et de voir si c'est adaptable. Donc là c'était un test pour le cygne. Du coup on s'était dit, si on a un enfant qui doit le mettre, il faut prévoir les ouvertures et comment est-ce qu'il va le mettre. Voilà, il va glisser ses pieds, hop. C'est assez pratique parce que c'est du matériau qui est aussi, malgré qu'il soit mou, assez dur à détruire. Vous voyez que si on le tord dans tous les sens, il garde quand même sa forme. Et niveau destruction, c'est quand même important de prévoir qu'il peut être toqué, frappé contre un mur, qu'il peut être éraflé. Parce que bien sûr, on porte le costume et les enfants, malgré tout le soin qu'ils peuvent leur apporter, peuvent se cogner ou les gens peuvent leur rentrer dedans. Après, en matériau plus dur, on a tout ce qui est résine. Niveau solide, parce que ça, voilà, on sculpte en carton, en terre, on recouvre avec de la résine, et ensuite c'est durci, et là ça devient quasiment indestructible, et puis on mélange. Les sacs à dos, c'est aussi un élément assez important, qui a été expérimenté maintes et maintes fois par la boule bleue. C'est un système qui nous permet de supporter des costumes peut-être un peu plus lourds, mais au moins de répartir les charges. Par exemple, pour le roi singe, la tête était vraiment en hauteur, et du coup, comme ça, l'enfant le met, se clipse, donc ça vraiment... très basique, et après il peut marcher, être libre de ses mouvements. Et en plus, pour le montage et démontage, c'est assez simple parce qu'on fait, vu que c'est du tube acier ici, on fait tout pour que ce soit des tubes mâles femelles afin que ça puisse rentrer à l'intérieur. Le costume est mis, dès qu'il doit être rangé, on peut le déboîter, on peut réparer différentes parties. Voilà, puis ça, c'est un tube en acier basique qu'on peut trouver chez tout le monde. Pareil pour le sac, une plaque en bois pour la résistance. Puis c'est parti, c'est la base de quasiment 80% des costumes, à peu près, en fait. Moi, ils m'ont nommé responsable tissu. j'aime bien la couture, c'est vrai, puis j'aime bien utiliser le tissu sous toutes ses formes.
Donc, j'adore travailler avec les différents matériaux. Donc, en général, c'est moi qui vais choisir les textures, les couleurs, les motifs. Ce que j'aime bien, c'est travailler un tissu en couture et puis ensuite, éventuellement, le repeindre ou mettre de la colle. C'est des costumes où c'est du costume avec... je vais créer un patron, je vais le faire. Les chapeaux, c'est pareil. On va créer un patron, on va le réaliser. Puis après, y a des costumes où ils seront. On achète des choses déjà faites parce que finalement, ça prend quand même moins de temps. Comme là, le corps du faucon, on va certainement utiliser une combinaison seconde peau qui sera bourrée, dans laquelle on va recréer un squelette. Et puis ensuite, c'est repeint pour donner un petit peu de relief. Au costume, comme les ailes, pareil, elles vont être repeintes pour que les couleurs soient réadaptées entre elles. Et puis qu'ensuite, ça donne un petit peu une unité dans les matières, les textures entre les différents personnages. On essaye de les personnaliser aussi un petit peu en leur donnant différents noms, enfin tant bien que mal en fonction de leur spécificité. Par exemple là, sur celui-ci, on voit que c'est un mélange d'ara et d'un arbre, du coup on l'a appelé le arbre, tout simplement, un mélange de rat et d'arbre. Par exemple pour ces deux-là, pour ceux qui sont, on va dire, les grotesques, lui on l'a appelé le psychopathe, parce qu'il avait une tête de psychopathe, d'où le nom du masque en fait. Voilà, le masque s'appelant le psychopathe, on l'a appelé comme ça. Celui avec les tambours, tout simplement Tambourine Man. Donc on trouve à chaque fois, en fonction de leur spécificité de costume, un nom qui permet à la personne qui va le porter soit de se l'accaparer, ou même pour nous, c'est plus simple lors d'une discussion de se dire voilà, on va faire. Là, c'était sur les anciens, on le voit bien, sur le déroulé des anciens, on avait Orny, on avait Pouette, on avait La Huche, le Roi Singe, et tout ça nous permet, même en travaillant, de savoir sur quoi on est sans ressortir les dessins, et on a bien les images en tête. Quand on a commencé à travailler sur l'idée de faire ce costume-là, on s'est retrouvé à regarder en énorme, à loupe à la pluie, que pouvait-il bien porter à sa ceinture. 50-50, c'est des tambours ou des cuillères en bois et des plates purées. Alors on a regardé l'environnement. Son environnement est plutôt sur le thème de la cuisine. Autour de ce personnage-là, d'autres sont en train de s'auto-nourrir ou de se nourrir. Il est question de nourriture à cet endroit-là du tableau. Et lui, il a des cuillères en bois, on dirait. Donc, est-ce que c'est des plats ou est-ce que c'est des tambours? Nous, pour défiler, il serait plus pertinent de leur donner deux tambours que deux plats de purée. Et donc voilà, on a tranché. Et désolé, Bosch, c'était peut-être pas ce que tu voulais représenter. Toujours est-il que chaque personnage qu'on représente est sorti d'un contexte. Donc,
Lui tout seul, il ne veut rien dire si on ne connaît pas le reste du tableau. Donc pourquoi il est comme ça et qu'est-ce qu'il fait? Donc les érudits ou les curieux pourront toujours aller regarder de où on est parti et ce qu'on en a fait. Mais il manque un bout de l'histoire, parce que les tableaux de Bosch, c'est comme une BD, c'est plein de trucs, ici, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, ça se suit. Et donc, nous, on sort un personnage, celui-là, par exemple. Celui-là, l'histoire, c'est une tête de faucon avec une grosse marmite en cuivre sur la tête, et on voit qu'il est en train d'engloutir un corps humain. On voit le corps humain qui est presque rentré dans, dans son bec. En dessous, il a une grosse poche bleue, à travers laquelle on voit un bras, une tête, ah, encore des bras, un corps, et hop, qui sort de la poche bleue, ben, la déjection humaine qui va tomber dans une fosse, dans un trou noir. Et donc, ce tableau-là fait partie, enfin, cette figure-là fait partie d'un autre ensemble qui est autour. Donc nous, on sort cet élément-là, mais on ne peut pas raconter le trou noir sur notre costume, on ne peut pas raconter la digestion, sinon ça devient très très compliqué, et sa bavette, si on la met, le comédien, il verra par où. Donc nous, on est obligé de traduire tout ça en qu'est-ce qu'on peut faire de présentable que les gens vont reconnaître quand on connaît Bosch, mais qui peut se retrouver autonome sans, sans son contexte dans le tableau. Tueur de la paix, après ? Bogeyman. Pourquoi Bogeyman ? Parce qu'il ressemble à un monstre. Et dans un film, il lui ressemble beaucoup. Il lui ressemble, on dirait un lézard. L'accusateur. L'accusateur. Oh, pourquoi il retrouve tout, là ? L'accusateur. C'est pas possible. Tu peux justifier pourquoi ? Il accuse Jésus-Christ. Il accuse Jésus-Christ. Pas d'autres propositions, l'accusateur, le fou malade. Le traître, le moqueur. Le noble traître. Ah. Le noble traître. Le riche crucificateur. Le riche crucificateur. Parce qu'il se moque, des autres. Il se moque des autres et il est riche. Sorcier, momie. L'arbre, sorcier, momie. Explique. Parce que c'est une sorcière qui tient un bébé momie dans ses bras. L'arbre mère. L'arbre mère. Parce que la maman est un arbre, et l'arbre, c'est la mère. La protectrice. Pourquoi ? Ah, parce qu'elle protège son enfant. La mère protectrice. Oui. Non, des fois, ça arrive. Protectrice. Oui, elle est continue. Mal protège son enfant. L'arbre transformé. Tu dis pourquoi ? Parce que l'arbre, elle est pas comme ça habituellement. Normalement, dans un arbre, il n'y a pas de femme. C'est la femme qui se fait ensorceler. Ah, là, c'est un arbre. Il y a un arbre qui pousse sur elle. Ouais, c'est vrai. Voilà. La femme ensorcelée. Hibou dévastateur. Hibou dévastateur. Alors pourquoi ? Parce qu'il mange tout ce qu'il faut. Enfin, tout ce qu'il voit. L'hibouliste. Alors pourquoi ? Parce que c'est un hibou. Il en mange par centaines de. D'accord, c'est l'hibou qui se fait des listes. C'est ça, le hibou guérisseur. L'hibou transforme. Il mange le mal et recrache tout ce qui est bien de la personne. Après, le tambourine man. L'ange fou, c'est ça ? L'ange fou, ouais. Un entonnoir. Parce qu'il a un entonnoir, mais un entonnoir ? À l'envers. À l'envers. Avec ses ailes et tout, c'est pas un ange. Cuistot de l'époque. Ah, le cuistot de l'époque. Il y a des cuillères, il y a la tasse, enfin, il cuisine de la soupe.
Jérôme Bosch, poète de la narration. Tes toiles sont un labyrinthe de personnages qui se bousculent, s'étreignent et se rejettent tout à la fois. Tantôt enclins à la tentation, comme saint Antoine, tantôt en dévotion pour échapper aux flammes de l'enfer. L'âme humaine se perd dans tes dédales de verdure et de songe. L'âme humaine ne sait plus où elle en est. Héroïne moderne, écartelée entre l'amour et la haine, la solitude et la société. Jérôme Bosch, tu nous regardes aujourd'hui encore de ton regard triste. Peur, avarice, torture, gourmandise, instrument. Il se fait torturer par un mutant et lui touche la poitrine. Paradis, jouvence, château, arbre creux et nuit de. Il était une fois des châteaux entre l'enfer et le paradis où la nudité existait, les hommes et les femmes pouvaient se baigner dans la fontaine de jouvence et pouvaient se cacher dans des arbres creux. Des créatures l'habitaient. Puis, sur sa tête, les personnes tournaient en rond. Et de l'autre côté, le tueur de la paix tue les personnes qui ont fait la guerre. Il était une fois un peintre qui vivait dans le temps médiéval. Ce peintre, Jérôme Bosch, décida de réaliser un triptyque où il représenta un monde paradisiaque, un monde réel et les enfers. Dans le monde paradisiaque, les hommes étaient heureux. Avec la fontaine de jouvence, signe de jeunesse éternelle, alors que dans les enfers, des créatures cauchemardesques remplies de défauts faisaient la justice sur les êtres humains. Dans le monde réel, il décida de peindre sa vision de la vie en peignant quatre châteaux qui représentaient quatre religions. Il nomma le tableau le Jardin des Délices. La souris. Donc, on se rappelle que c'est un costume cheval-jupon. Un costume cheval-jupon, c'est un costume où on a l'impression que le comédien est assis sur un animal, un cheval-jupon. Pour faire le gabarit de la souris, il nous fallait un morceau de matériaux qu'on va sculpter, modeler sur un tréteau de façon à faire la forme de la souris, la même que celle qui est sur le dessin. Ensuite, une fois qu'on a sculpté cette forme-là, on la tend, on la fait en papier journal, en mousse, en scotch, on tend pour que on garde la silhouette et la forme, hein, en général, les proportions. Ensuite de quoi, on va le couvrir avec des bandes de mat de verre qu'on a trempé dans de la résine, de façon à faire un plastique plus ou moins épais. Dans le gros où c'est costaud, il faut que ce soit épais. Ensuite, on a fait donc des bandes
Ça s'appelle de la résine stratifiée. Ensuite, il faut tout poncer parce que sinon, on se coupe partout. C'est que du mètre de verre, c'est autant d'épines. Une fois qu'on a fait ça, on a mis dedans des tubes comme du tuyau d'arrosage et on a restratifié autour pour créer vraiment un squelette très très costaud. C'est très très costaud et ça reste léger. Le costume doit venir quand il est porté dans ce trou-là. Il va tenir avec deux bretelles et il sera assis à l'arrière sur ces deux roues-là. Le tout va être caché par le costume. On ne verra pas du tout les roues. Ce que j'ai fait, c'est un encrassement de la selle. On voit qu'on a reposé des volumes du coup pour coller le plus au dessin. Donc, c'est des petites billes qu'on a trouvées. Alors on va garder le secret parce que c'est plutôt rigolo. On a pas mal cherché pour trouver ce qui pouvait le faire le plus organique, comme on a sur le dessin, donc là-haut, c'est comme une sorte d'intérieur de poisson, on pourrait dire. Et du coup, pour donner encore plus de relief, à la fois de près et de loin, on encrasse toutes ces petites billes, donc une par une. Donc c'est un peu long, mais comme ça, on voit que ça redonne toutes les formes, ressortent vachement en plus. Et au niveau de la matière, on est en train d'oublier complètement ce que c'est. Voilà, ça donne plus de réalisme. Côté plastique, ça tout le monde peut le faire, mais dès qu'on rajoute un peu une petite patine, on a un côté plus, je sais pas. Moi, ça me plaît plus, et puis je trouve ça plus joli. On est plus dans l'esprit. Donc pareil, le masque de ce costume-là va aussi être encrassé pour renforcer l'aspect arbre. Du coup, vu que c'est toujours la femme avec la racine, enfin l'arbre sur la tête, du coup, on va aller réencrasser les creux et ça va faire ressortir le graphisme de l'arbre. Voilà. Là, l'idée, c'est de mouiller la surface le plus possible. Ensuite, de venir mettre la couleur pour encrasser, du coup, aux jointures, comme une pièce en vrai, en fait, qui serait encrassée par le temps et la poussière. Et de venir supprimer tout ce qui n'a pas lieu d'être au niveau de la saleté. Vu que là, c'est une bosse, c'est plus à l'usure, plus ça va plutôt frotter tout le temps. Du coup, il ne peut pas y avoir de saleté, ou en tout cas beaucoup moins. Alors après, hop, on efface tout ce qu'il y a autour et on ne garde que, comme on peut le voir, la corse est sec, du coup, que des cerclages de crasse, on peut dire, vu que c'est un encrassement. Là où, normalement, le temps aurait déposé de la poussière, nous, on a une technique pour le faire assez rapidement. C'est ça qui donne le réalisme à l'ensemble et au costume. Tu regardes le costume, tu comprends mieux. Il y a beaucoup de détails qu'on n'arrive pas à voir, comme notamment le dessous du siège sous ses cuisses. On voit que ses cuisses, elles sont extra fines et que les pieds sont enfilés dans deux amphores. Les deux amphores sont là. Alors, elles sont en début de peinture. Donc, il y a déjà plusieurs passes de peinture, des effets qui se succèdent jusqu'à avoir un aspect un peu minéral. Et le tout reste très, très léger et tout mou. Donc il y en a deux. Là, on aperçoit les bras sur le dessin qui sont extrêmement fins, comme les mollets. Donc on est obligé de les resculpter. Donc ça, on les a fait en mousseva, ça c'est que le début. Donc c'est de la mousseva qui a été pré-découpée et collée. On force la mousse pour qu'elle prenne des formes différentes. Après, on retaille, on réajuste. Ici, on peut voir, ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est le fauteuil. Le fauteuil est jaune. Il y a donc un pied ici, un autre pied derrière, un autre de l'autre côté. Les pieds sont en train de sécher par ailleurs. Ils sont dans le même état, ils sont aussi en mousse. Tout ça, c'est tout mou et ça reste très léger. Là, la tête est posée sur son sac à dos. Le cylindre, je viens de le former avec du papier journal et du scotch brun. Et là, je suis en train de rattraper la forme du dessous de la tête qui est en résine pour faire un coup qui va s'assembler sur un corps qui n'existe pas encore, mais dont on voit déjà des petits morceaux. Il y a les chaussures qui sont les amphores. Et là, après, ça va être la forme du buste.
Les fesses, on ne les verra pas, elles seront au fond du fauteuil. Par contre, on verra très bien les cuisses et les mollets qui vont descendre. Et les deux pieds dans les amphores s'appuient sur un bout de bois qui est accroché aux deux pieds qui montent. Un pied en mousse, donc il est tout mou. Il a été couvert avec du tissu marouflé au latex. Dedans, on voit que c'est de la mousse. Et dans la mousse, il y a une âme avec une corrière aluminium. On ne la voit pas dedans. Et pour qu'il garde sa rectitude, qu'il reste bien droit. Et là, il y a deux vis qui sont scellées dedans et qui vont venir se boulonner ici, derrière et de l'autre côté. Donc ça va être les trois pieds du siège de la créature. Comme on l'avait vu avant, la construction c'était en polystyrène avec aussi une petite boule de polystyrène, enfin une demi-sphère de polystyrène derrière du bois, et je crois que j'étais en train de latexer, c'est-à-dire de couper des petits tissus, donc de maroufler au latex. Alors là j'ai collé deux grandes bandes exprès pour qu'on voit le moins les joints entre les petites pièces de tissu avec du latex possible. Là vu que c'est à l'arrière, on s'en moquait un peu, donc voilà. Il y a deux sangles en toile de jute, ce qui permet de passer le bras et de tenir. Et vu que c'est en polystyrène, c'est costaud, ça pèse rien, du coup, ça va pas embêter les petits enfants. On a rajouté autour de la mousse Eva, marouflé aussi tissu latex. Et là, l'astuce pour donner un côté bouclier, c'est qu'on a passé une couche de peinture argentée. Et qu'avec un compas, on a fait une sorte de cerclage. On a pointé le milieu, on a accroché un pinceau, hop, et on a peint pour redonner une vie au bouclier, pour montrer le côté un peu usé qu'il pourrait avoir. Et donc le bouclier va avec l'épée, voilà, qui elle donc a été par une petite technique sablée à la sciure. Et ensuite dessus, on peut repeindre pour que la peinture latex adhère bien. Donc elle est métallisée pour l'heure, et on a mis de la guidoline à vélo, c'est ce qui va sur les guidons des vélos, du coup, pour faire la poignée, comme ça, hop, ça fera un bel ensemble, bouclier, épée, plus vrai que nature. Puis là, ça craint rien du tout, ils peuvent pas se blesser avec, c'est tiré des armes d'armes factices pour les jeux de rôle grandeur nature, donc ça, voilà, la sécurité aussi avant tout, et puis même si les enfants vont taper à gauche ou à droite, ça craint pas grand chose, on va dire, voilà. Les personnages de Jérôme Bosch deviennent des pantins habités par des humains sortis des tableaux de leurs créateurs. Ils vont déambuler, ils vont partager leurs angoisses et leurs rires avec un public venu les acclamer. Ils dormaient dans le triptyque de Saint-Antoine, prince des ermites, que tentent vainement d'ébranler les monstres et les chimères. Ils dormaient dans Ecce Homo, dénonçant la mauvaise foi du peuple et la cruauté des spectateurs. Il dormait dans le jardin des délices,
et le jugement dernier, où les hommes sont à l'étroit entre le paradis et l'enfer. Ils vont se rencontrer, l'espace d'une promenade, pour dialoguer peut-être, faire un bout de chemin ensemble, pour essayer de se comprendre. Souvenez-vous, à l'objectif de ces séances, c'est quand vous allez défiler, les gens, ils vont vous poser des questions, ils vont vous demander, bah alors, qui est-ce que vous représentez? Et donc, à vous d'expliquer les tableaux, avec qui ils sont et tout ça. Donc, c'est important que vous sachiez bien, que vous incarniez bien votre personnage. Ce qu'on peut faire, c'est par exemple, on a toujours dans les dérivés des temps de pause. Et faire des mises en scène. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les autres, ils reculent, les quatre personnages qui ne jouent pas reculent un petit peu les spectateurs. Toi avec ton, avec les arts, et puis je sais pas, Ada avec, avec le noble trait. Et vous venez et vous commencez une mise en scène, sauf qu'il va falloir du dialogue. Donc ça veut dire que ça, c'est des scènes qu'on peut créer, qu'on peut faire et qu'on peut faire tout le long des défilés. Et il va falloir vraiment les créer auparavant. Tu vois? Donc ça c'est possible, mais il faut vraiment que les personnages connaissent leur texte par cœur, qu'ils crient assez fort pour que le public entende. Mais du coup maintenant les défilés, on n'attendra pas, on va dire entre guillemets, bêtement, voilà, de repartir en marche. On pourra faire différentes mises en scène et pouvoir jouer pour le public et que le public puisse regarder, s'arrêter et regarder cette mise en scène. Tu es revenu de ta fuite? Oui. Qu'est-ce que t'as sur ta tête? Un arbre cru. Et pourquoi? Pour me cacher. Te cacher de qui, de quoi? Des gens. Et toi, pourquoi t'as un manteau noir? Parce que je suis fou. Qu'est-ce que tu fais là? T'es sorti de ton tableau? Oui, je mange les gens. Et alors? Ouais, c'est pour les rendre mieux. Ben et toi, tu fais quoi? J'accuse les gens. Hein? J'accuse les gens. Pourquoi? Parce que j'ai envie. Hé, tout d'abord! Ouais. Alors là, c'est toi, noble traître, qui s'est moqué de Jésus? Non, pourquoi? Si, je te le dis de là-haut. Non. Si. Quand? Quand il y a une sphère crucifiée qui était en bas, avec tes bras comme ça, là, en se moquant de lui. C'est parce que c'est un mauvais pour notre peuple. Et pourquoi ça? C'est un traître. Ce projet est-il si important pour le centre social? Alors, d'abord parce qu'il valorise les jeunes, d'abord parce qu'il fait un retour sur l'histoire, il y a un vrai travail éducatif qui est réalisé, l'histoire locale, mais l'histoire en général du médiéval, même si ça reste vaste le médiéval, et c'est aussi la valorisation des jeunes, parce que au-delà de leur participation à la fête médiévale, ce sont devenus depuis maintenant 5 ou 6 ans, donc le projet s'est inscrit dans la durée, ce sont devenus des ambassadeurs de leur ville. Et je peux vous dire que à chaque fois qu'ils vont faire une démonstration à l'extérieur, ce sont de véritables vedettes, ce sont aujourd'hui des artistes reconnus. Et ça, c'est quand même une valeur ajoutée pour des jeunes qui ne sont pas toujours valorisés, ni à l'école, ni dans le sport. Là, ce sont des ambassadeurs de la ville qui sont reconnus par leurs pairs, par leurs parents, et aussi par le public qui vient les voir très nombreux. C'est Yamina, je suis bénévole avec le foyer jeune, oui, les ados. Alors qu'est-ce que ça te fait d'être dans une créature fantastique? Ben, j'ai l'habitude parce que je l'ai déjà fait dans le sud, donc, mais c'est vrai que c'est chaud. Je suis maman bénévole au centre, c'est la première fois que j'endosse un costume de créature. Ça a l'air d'être sympa, donc on va voir.
J'ai vu effectivement ces jeunes avec leurs accoutrements un peu fantastiques, même très fantastiques, et j'ai trouvé que sur le plan pédagogique, c'était un projet extrêmement riche. Riche à la fois dans l'esprit d'équipe, riche aussi par la découverte des thèmes qu'ils ont représentés, parce que immanquablement ils ont dû chercher dans la mythologie, dans les allégories, des personnages extraordinaires, des personnages futuristes peut-être pour certains, et puis riche dans le choix des matériaux, parce que pour réaliser tout ça, il a fallu faire une analyse de matériaux, il faut que ça tienne. Et donc, moi je vous félicite, c'est un projet extraordinaire et qui cadre tellement bien dans nos fêtes historiques où on se sert de l'histoire pour faire du spectacle. Avant de partir en séjour, les adolescents s'entraînent une fois, voire deux fois par semaine, tout au long de l'année. Donc il y a quand même 40 jeunes qui savent monter sur tous les trois types des chasses, que ce soit les petites power, grandes power ou les voltiges. Et sans parler des chasses, ils s'entraînent aussi à porter les costumes de Jérôme Bosch, qui sont à pied, mais qui ont beaucoup, beaucoup de couches sur eux. Donc vraiment connaître leur rôle par cœur. Au niveau des défilés de ce camp itinérant, ce n'était pas du tout la même organisation que des défilés, on va dire, qu'on fait pendant la fête médiévale de Sedan ou d'autres manifestations dans les Ardennes. C'est-à-dire que dans le sud, il y a pas mal de facteurs à prendre en compte, comme par exemple la forte chaleur, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes qui viennent voir les défilés en début d'après-midi parce qu'il fait vraiment très chaud. Il a fallu prendre tous ces facteurs en compte. On a par exemple une adolescente qui a eu du mal justement à défiler sous cette forte chaleur. On a eu des brûlures au second degré dues au soleil. Le fait que ce soit que des gamins, c'est excellent. Qu'ils aient accepté de jouer le jeu par la chaleur qu'il fait et tout ça, et surtout avec les gens qui peuvent se poser des questions derrière. Et ce qui est très très bien, c'est que vous encadriez et que vous soyez là pour répondre aux gens qui se posaient des questions. C'est des gamins qui se donnent à fond. En plus de ça, ici, il fait très chaud, alors que vous venez d'un coin où la chaleur n'est pas forcément là. Et moi, je trouve qu'ils sont extraordinaires, quoi. Ils font des choses, franchement. En plus de ça, avec la chaleur qu'il y avait hier et l'attente, parce qu'il y a des attentes, c'est jamais à l'heure. Non, moi, je trouve que c'est vraiment très bien. Dans notre région, il n'y a pas trop de déambulation de créatures fantastiques comme ça, donc c'est un petit peu... C'est intéressant pour nous, pour les médiévales, de rencontrer ce genre de personnages. Pu vivre en communauté, donc on a pu apprendre à vivre en groupe et à devenir autonome. Être autonome, ça veut dire faire à manger, seul ou parfois avec l'aide des animatrices, savoir faire la vaisselle, savoir s'habiller tout seul ou aider quelqu'un d'autre. Ça change parce que d'habitude on n'est pas nombreux, la plupart des gens sont 4-5 en enfants, alors que là on était 35, du coup c'était il fallait tous qu'on se parle bien, qu'on se respecte. Et... Lors du camp itinérant, on a invité donc une maman à venir faire l'expérience avec nous, à venir vivre l'expérience avec nous. Et du coup, on lui a approprié un petit rôle qui était de cuisiner avec les adolescents. Donc elle était devenue chef cuisinière, les adolescents étaient ses commis. Et du coup, elle s'est fait une petite place au fur et à mesure dans la collectivité avec les jeunes. Et ensuite, on l'a inclus complètement dans les défilés. Donc, pour la préparation, elle maquillait les jeunes, elle les aidait à s'habiller. Et ensuite, on lui a fait porter un costume pour les défilés à venir. En dehors de leurs prestations, ils ont été plus que corrects pour leur âge. Pour les conditions dans lesquelles ils ont été accueillis, moi, je leur tire mon chapeau. Ils ont été polis, ils ont été serviables. En fait, personne ne s'est rendu compte qu'ils venaient de quartier, et pour ça personne n'a eu des jugements. Pourquoi ? Parce que effectivement la gestion qui s'est faite par cette j'allais dire entre la mairie bien sûr et l'association fait que nous savions nous qu'ils venaient de certains quartiers
défavorisés, entre guillemets. Mais nous, chez nous, dans notre campagne, on ne le savait pas. Et le fait de ne pas le savoir, il n'y avait aucun préjugé. Et le fait de n'avoir aucun préjugé, ben, il n'y a eu que des aspects positifs. Ça montre que souvent, d'ailleurs, on est souvent avec un raisonnement qui est complètement à l'envers. Et on rencontre quelqu'un, selon comment il est habillé, ou selon la voiture qu'il a, ou selon le quartier d'où il vient, où il habite, on pense que c'est des gens très bien. Donc c'est une façon de bonne mentalité que de tendre la main à l'autre. Et là, c'est l'occasion, en plus d'un partage, une offre qui est réciproque. Ce que j'ai apprécié, c'est le sourire des gens. Quand on défilait, les gens étaient heureux et ça nous donne encore plus la motivation pour défiler. J'ai eu beaucoup de questions en disant est-ce qu'on était payé? Franchement, on n'est pas payé. On fait ça pour le bonheur des gens. Je faisais peur aux gens ou à chaque petit qui pleurait, j'enlevais mon casque pour leur montrer que c'était bien des humains. C'était bien ça. Le public était assez surpris de leur professionnalisme au sein des troupes. On ne voyait pas l'amateurisme de nos adolescents et les troupes professionnelles habituelles. Au milieu des professionnels, moi je ne fais pas de différence entre les professionnels et les amateurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vocation, c'est l'envie, c'est la passion. Et donc, cette troupe a sa place, oui, bien sûr. À tel point que quand j'ai vu ces jeunes dans le défilé hier, j'ai demandé au président de l'association qui vous accueillait, mais ils sont dans le spectacle, ces jeunes-là. Bon, ils ne sont pas, mais ils sont quand même, parce que dans cette parade, ils apportaient un point d'orgue de grande qualité. Jérôme Bosch, architecte des corps. Aujourd'hui, tu retournes à la rue pour taquiner nos contemporains. Ce n'est plus l'enfer auquel tu les voues, mais la simple frayeur d'un instant avec tes griffes de plastique. Ce n'est plus la fontaine de jouvence que tu offres à leur nudité, mais une palette de couleurs que tu leur tends comme un miroir qui se craquelle au gré du vent, reflétant le vieux monde qui s'interroge.